Le président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba, en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Arrivé ce mercredi matin à Yamoussoukro, il a été accueilli par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Pour l'occasion, les populations sont sorties massivement pour réserver un accueil chaleureux à l'Ulus Hôte qui foule pour la deuxième fois le sol ivoirien. Nous nous sommes organisés pour venir recevoir notre président et vous savez que la chaleur est totale. Donc vraiment nous sommes très heureux devant notre président. La chaleur elle est bonne. 10 ans que nous ayons coupé avec le monde extérieur, nous sommes fiers de recevoir un président africain qui nous permet de renouer avec l'international. Nous, c'est une grâce parce que cela démontre que les relations entre les deux pays sont bonnes. C'est l'intégration sud-sud, ça. C'est ce que nous cherchons actuellement. Donc, nous sommes très contents, nous sommes très fiers de le recevoir aujourd'hui. En 1970, Alhaji Oumar Bongo, président gabonais, on est venu l'accueillir ici, même à l'aéroport. Bon, aujourd'hui, 2014, on est venu accueillir son fils. Nous, on est très très contents. Le président gabonais débute officiellement sa visite avec un dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe de feu Félix Houphouët-Boigny.